L'injection mécanique remplace en partie dès 1967 le carburateur sur les moteurs essence. Bien plus précis pour doser le carburant, elle permet de mieux contrôler et d'optimiser la combustion dans le moteur et de réduire la consommation d'essence. Le système d'injection est composé d'une pompe et d'injecteurs. La pompe mécanique contrôle le dosage d'essence qu'il envoie sous haute pression aux injecteurs qui pulvérisent le carburant de manière volatile pour plus de précision dans la chambre de combustion. Le mélange air-essence peut alors se faire de manière optimale pour un meilleur rendement du moteur.